consacre à toi pour toujours par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et maintenant, Père, nous t'en prions. Mets au cœur de Sœur Maria Esperanza et de Sœur Anne Laetitia le feu de l'Esprit Saint. La retraite s'est passée en grand silence pendant 10 jours pleins et j'ai eu le bonheur de pouvoir vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur que j'attendais tant. Et ce fut pour moi des jours de grâce. Le plus beau moment que j'ai vécu pendant la cérémonie d'hier, c'est le moment où toutes les sœurs sont venues dans le cœur et où j'ai pu donner la paix à chaque sœur et recevoir d'elle la paix du Seigneur et aussi l'accueil dans la congrégation. Je retiens une phrase que mon papa m'a dite et qui est très vraie. Il m'a donné ça comme cadeau hier. Il m'a dit « L'engagement rend libre ». Eh bien oui, l'engagement pour toujours rend plus libre que jamais. Alors pour vous qui cherchez le Seigneur, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur car le Seigneur vous aime dans le quotidien, dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et c'est à partir de ce que vous vivez aujourd'hui que vous pourrez cheminer jusqu'à une consécration à Dieu dans la vie consacrée ou dans le mariage. La profession perpétuelle, c'est aussi l'occasion de regarder en arrière et de regarder le chemin parcouru. Et je voudrais pouvoir témoigner que ce chemin, il a eu des joies, il y a eu aussi des difficultés, mais le Seigneur a toujours été là et la communauté a toujours été le soutien. Et je vous souhaite à tous de vivre un tel cheminement avec le Seigneur.